Jodi an, premier jounen mondial la rive nan fèl, la Swiss bat ekip Kameroun nan 1-0 avèk yon gol de Mbolo. Mbolo ki d'origine kameounèz, dok sa ki fè ke msye li pa selebri gol lan. Nou konè Afrik li soutou genye an pil jen ki an Europe, dok msye sa ou lè rive nan peyi, peyen adopte yo, dok yo tou grandi la yal l'ekol, yo quand même tout poté couleur paysan surtout dans football. Donc 1-0 pour la Suisse contre équipe Cameroun. Et puis à 8h t'ai gagné Uruguay qui les mêmes d'a joué contre Corée du Sud. Et bien Uruguay fait 0-0. Gagné Madrilène n'a parlé de Valverde qui les mêmes fini homme du match et Uruguay qui gagne une très 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 bonne équipe. Mais qui toujours gagné et l'équipe ça a toujours gagné en panne. En ce qui a été avec marqué goal. Uruguay, c'est une équipe qui est réputée pour défense. Donc, Uruguay qui fait 0-0. Matsa, pas gagné un tir carré là-dedans. Et puis, gagné Portugal, qui a même battu l'équipe Ghana 3-2. C'était vraiment un bel match. Yon match ki te chaje ak rebondisman. Yon match ke Ghana manke vole nan men ekip Portugal lan. Ebyen, Portugal ki fè yon bel victoire, surtout Cristiano Ronaldo ki manke, João Félix, Rafael Leão ki manke. Donk, 3-2 pou Portugal. Brésil ki bat Serbie 2-0. Premier mi tante fin 0-0, men se pate yon... Bonne équipe brésilienne. C'est quand même une équipe qui gagne le travail pour faire toujours. Parce que yo pas vraiment montré. Et trop bagay dans le match jodi. Brésil bat 2-0, c'est vrai, avec un doublé de Richarlison. Monsieur ça qui fait un superbe goal jodi. J'en ai regardé là. Monsieur qui recevra un passe de Vinicius Junior. Monsieur qui soulève le ballon et il fait. Et Demi-Saint-Issa, qui a le mouri dans le deuxième poteau, goalkeeper équipe serbien. Donc, 2-0 pour Brésil. Brésil qui, quand même, prend une série des options là. Donc, équipe Brésil là, qui quand même campé avec un trio de qui était composé de Richarlison, Vinicius Junior et puis Rafinha. Rafinha que. Je souhaitais titrer les penchés sur Rafinha et pense que gagner mon souban qui est capable de porter plus pour l'équipe ça que Rafinha. Donc, titrer qui était joué avec Alexandro à gauche, Danilo à droite. Et puis, dans la défense, il a gagné Monsieur ça, Thiago Silva accompagné de Marquinhos. En d'intérieur, il a gagné Paqueta, Casemiro et puis Neymar. Donc, quand tu gagnes Alisson Becker, donc Portugal qui quand même fait une bonne opération. C'est deux matchs ça qui étaient vraiment attiré la grande foule. Donc, Portugal qui lui-même pral capable de jouer deuxième match. Li. Donc, ouais, c'est pral face à l'équipe Corée du Sud. Eh bien, Cristiano Ronaldo qui lui-même bat record. Non en fait mais tiré qu'on match football ça parce que il vini là seul joueur qui marqué dans 5 mondial 2006 2010 2014 2018 2022 donc monsieur là il marqué goal dans tout mondial ça est net c'est quand même un bagay intéressant un joueur qui est capable de jouer 5 mondial c'est quand même un durée de 20 ans puisque mondial le fait chaque 4 ans donc c'est pas tout joueur qui gagne opportunité ça Cristiano Ronaldo défini homme du match monsieur qui vraiment est dédié pour ça avec coéquipier Lio en parlant de Bruno Félix Léon et c'est quand même un titre décerné avec Cristiano Ronaldo. Avec l'âge de 37 ans, bah c'est que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Un joueur gagne 37 ans, la prend meilleur joueur match dans le mondial, puisque nous ouais à qui intensité match ça va jouer, surtout match d'aujourd'hui. C'est un match qui était vraiment en pile intensité, en pile physique. Donc, on est équipe africaine, yo est souvent réputé pour ça. Donc, Cristiano qui lui-même prend prix homme du match. Donc, on rappelle que Cristiano il était sorti dans le match là. Il était sorti dans fait match. Et puis, toujours concernant la métropole, l'ancienne métropole et ancienne colonie, Neymar qui est sorti dans le match football là, sous blessure, n'a pas gardé là, et taché vie Neymar. Et Neymar qui prend un peu le coup dans le match, donc nous connaissons ça. Monsieur, c'est un joueur qui a mis un peu l'accent sous lui. Parce que nous connaissons Neymar, c'est un joueur qui est très très dangereux. Donc Neymar qui blessé. Nous, pourquoi qu'on est, pour qui va le temps. Donc est-ce que Neymar lui-même est prêt pour le deuxième match Brésil a bien pour le jouer. Donc Neymar qui est sorti avec un pile de l'eau dans Gilles. Donc vous connaissez les Brésiliens, ça, ils ont toujours et ils ont bien ça pour coutume. Crie en pile. Et ça y est, Cristiano Ronaldo qui est dans l'air. Monsieur, ça a seulement 37 ans. Et malgré l'âge, ça, Cristiano Ronaldo volait plus haut que tout le monde. C'est la suivre défenseur là, c'est la suivre joueur équipe Ghana, qui a admiré Cristiano en l'air. Donc, finalement, monsieur, ça a quitté le football. Ma quoi, j'aime bien un joueur qui volait dans le niveau. Cristiano Ronaldo, lui-même, lui volé. Voilà, deux messieurs qui finissent homme du match. Richarlison, Cristiano Ronaldo. Ça, c'est classement groupe, yo, rapidement. Dans le groupe A, c'est la Hollande qui gagne 3 points. Dans le groupe B, c'est l'Angleterre qui gagne 3 points. Gagné dans le groupe C, équipe Émirats Arabes Unis a gagné 3 points. Arabie Saoudite, pardon, gagné 3 points. Gagné la France qui gagne 3 points. Gagné Espagne qui gagne 3 points dans le groupe E. Gagné dans le groupe H, Portugal qui gagne 3 points. Et Brésil qui gagne 3 points tout.